Hey, salut tout le monde, les amis, c'est Fomzy, j'espère que vous allez bien, tout comme moi, ça, super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la nouvelle vidéo, le 4e épisode de la carrière avec la Groupama FDJ. On s'était laissé à la fin du UAE Tour, et là, les amis, on se retrouve pour le Paris-Nice, voilà, c'est là où tout le monde, où tous les gros se rencontrent pour la première fois de l'année. Donc ouais, on va essayer de faire quelque chose parce que bien sûr on a Thibaut Pinot, on a Arnaud Démare, on a vraiment mis des bonnes gâchettes pour ce Paris-Nice. Après pour le Tirreno, il y aura David Gaudu, Reichenbach, tout ça. Donc ouais voilà, donc pour la composition de ce Paris-Nice, on a Alexis Brunel, Arnaud Démare qui est en très bonne forme, Thibaut Pinot un peu moins, et Jacopo Garnieri, Michael Delage, Anthony Roux et Valentin Madouas. Pour moi, c'est une bonne équipe. Je vois pas. Voilà quoi, j'aimerais gagner une étape. On est dans les outsiders. Hein. On n'est pas les grands favoris, mais on est dans les outsiders. On est les favoris quand même. Et Valentin Madouas a un petit pic de forme avec Jacopo Garnieri. Donc, ouais, ça fait plaisir. On va tout de suite se retrouver pour la fin de cette étape. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire. Les points pour la montagne, j'irai les chercher plus tard. Allez, à tout de suite. Et les amis, on se retrouve à 20 km de l'arrivée. Et là, l'échappée est en train de se faire attraper à ce que je vois, non? On va commencer à faire un train, si possible. Parce que bon, on va aller commencer à la 15 km. Parce que là, ça roule fort. On va faire un train. Alors, Garnieri, Anthony Roux, Delange, Valentin Madouas, Arnaud Démare et le leader Thibaut Pinot. Toi, tu vas prendre ton gel. Hop, maintenant on est bon là. Brunel, allez, tu montres qui t'as à faire. Parce que là, regardez les échappés, ils sont. Excusez-moi du like. Ah si, Mike Char a tenté le coup là. Mike Char en face a tenté le coup. Mais est-ce qu'il en a dans le ventre? Est-ce qu'il en a dans les jambes? Est-ce qu'il en a encore dans les jambes? Parce que là, derrière, ça chasse. Là, derrière, là, le train, la groupe AMDJ lancée. Après, derrière, on voit la Lotto Soudal. C'est. Ouais. Avec la UAE, bien sûr, Philippe Gilbert de la Etix Quickstep. Pourquoi je dis Etix, moi? Putain, je me crois avant, moi. Non, en. De que d'un Quickstep, bien sûr. Hop. Hey. Voilà, tac. Tu prends ton gel et tu vas à fond. Allez, il reste 10 km, ça va passer. Techniquement, ça va passer. Brunel, tu peux finir au cachot, hein, voilà. Fini comme tu veux. Allez, il reste 10 km, on a passé la barre des 10 km. Excusez-moi des lags, les amis. Faudrait que je baisse un peu les... Parce qu'en fait, quand je record, ça bug un petit peu plus. Mais bon, là, pour moi, ça bug pas trop assez pour baisser des paramètres. Hein. Allez, 7 km 8. On est devant. Il reste encore... il reste encore 3 mecs, 3 coureurs à aller faire courir. Hop. Anthony Roux, malheureusement, qui a un moins 3. Et aujourd'hui, Valentin Madouas, qui avait un plus 4. C'est lui, je pense qu'on va l'envoyer pour faire le maillot à petit poids. Parce que franchement, il est pas mal. Franchement, regardez, avec ses stats, quand il a un plus 4, gros, il a pratiquement. Ouais, il a 79 de montagne. Il a autant que David Gaudu. Allez, Delage, c'est à toi. Delage. Allez. Voilà. Ça passe à Delage maintenant. Hop. Allez, il reste 2 km. On va bientôt, excusez-moi du niveau parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. On lance avec Valentin Madouas. On lance avec. Voilà, tac. Et on lance avec Pinot. Attention, on en débarre. Attention. Oh bah. Ah, non, attention, Viviani, non, c'est bon. Tranquille. Victoire d'Arnaud Démare sur le Paris-Nice. On est content. On a très bien géré ce sprint. Hein, regardez. Arnaud Démare est arrivé. Il avait 0 barre rouge. Et on a géré ce sprint à la perfection. Franchement, je suis très content de ce qu'on a fait. Valentin Madouas fait 8 et Thibaut Pinot fait 10. Il y avait Vincenzo Nibali aussi qui a fait 15. Donc voilà les amis, victoire de Arnaud Démare. Très content, hein. Oh, champion d'Italie, Davide Formolo. Voilà, très content de la performance de la FDJ aujourd'hui. Donc voilà, on va tout de suite se retrouver pour les podiums. Et voilà les amis, on se retrouve pour les podiums. Avec Arnaud Démare. Maillot du leader, bien sûr, du classement général. Voilà, maillot jaune à trait blanc. Typique du Paris-Nice. Donc voilà, normalement, on a tous les maillots. Maillot à poids, c'est Nick Teperstra qui a
qui a pris le coureur de la Team Direct Energy, très malchanceux en ce moment. Arnaud Démare, lui, faut qu'on le vise aussi ce maillot vert. Hein. Faut qu'on le vise avec Arnaud Démare, c'est un but. Et Valentin Madouas, maillot blanc. Voilà, nickel ça. Très bonne étape aujourd'hui, hein. Très très bonne étape. On a très très bien commencé, donc ouais. Franchement, je suis content, je suis content. Les amis, il s'est passé un truc là. Il y a eu une chute dans le peloton derrière. Et vous savez quoi? On va faire un truc. On va commencer à rouler fort. Quoique, non. Et ça roule déjà fort, donc nous on n'a pas à rouler. Là, regardez, il y a eu une chute. Et derrière, ça a pris 20 secondes, 30 secondes, 34 secondes. Il y a les favoris. Chute d'Arnaud Démare. Chute d'Arnaud Démare. Quel. Oh, quel tragique. Non. Relève-toi. Relève-toi. Vite, vite, vite. Vite. Oh, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. De l'âge. Faut que tu attendes vite. Faut que tu attendes Arnaud Démare. Ouais, mais on n'aura pas le temps en fait. Hein. On n'aura pas le temps. On va devoir faire le sprint avec Anthony Roux. Oh, je suis dégoûté, putain, chute d'Arnaud Démare, quoi. Il fait chier. Il va revenir dans le peloton, mais ça va être difficile. Ouais, en plus, il a chuté avec Alexander Christophe. Malheureusement. Et là, bah, du coup, la Groupama FDJ se prive de son sprinter préféré. Ah là là, dommage. Je pense que c'est pas terminé, mais bon, il faudrait qu'on tente quelques. Ouais, on a pris quand même 2 minutes, hein. Donc bon. Ok. L'échappée est encore. À. Oh là 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 là, mais il se passe plein de trucs. Ok. Donc, alors. Brunel. Tu roules à fond. Madouas. Garnery. De l'âge. Ah mais merde, de l'âge, oui, t'as attendu. Non, 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 de l'âge, fais ce que tu as à faire. Attends-le. Garnery, tu suis Brunel. Après, Anthony Roux. Et pour finir, Valentin Madouas. Voilà, j'ai mis de l'as qui attendent. Qui attendent Arnaud Démare pour qu'il finisse bien quand même, le pauvre. Et là, normalement, c'est dommage avec pour Arnaud Démare. Très dommage. N'a pas eu de chance. Et là, c'est faut rouler, là, les gars. Parce que là, l'échappée attaque 43 secondes. Et ouais, il faut y aller dedans. Est-ce qu'ils sont encore forts dedans? Ça a l'air de collaborer, non? Et c'est Nyck Teppenstra qui est en train de faire le coup pour l'instant. Mais bon, à 10 km, je pense pas que ça va tenir. Allez, on roule à fond. Tac, tac, tac. Et là, attention, ça fait. Ouais. Je pense que la Lotto Soudal va pas trop faire train parce qu'ils sont un peu fatigués. Hein. Ils ont fait un train toute la journée pour essayer de faire des. Ben, des. des. Ben, des gros relais, quoi. Du coup, malheureusement, c'est dommage. Allez, allez, là, il faut rattraper l'échappée. On va un peu décélérer parce que, quand même, il reste encore 4 personnes dans le train. Et Brunel, tu sais quoi? Brunel, essaye de faire ton tout. Allez Brunel, donne tout. Allez, ouais derrière malheureusement c'est triste hein, c'est triste. Hop, et Arnaud Démare tu vas le suivre. Et Delange tu vas prendre ton gel et puis voilà. Hein. Et puis voilà quoi, malheureusement. C'est triste, c'est très triste ce qui vient de se passer là. Allez, Garnery tu prends ton gel. Ok, on peut décélérer un peu parce que là il n'y a plus d'échappée et j'ai l'impression que c'est un peu... voilà, que si vous voulez ce que je veux dire. Oula, ça attaque? Non, c'est Thomas de Rent. Thomas de Rennes qui essaye de peut-être de surprendre quelques personnes. Là, oui, il faut faire attention là. Il faut faire attention. C'est la Trek là qui roule pour John Degenkolb. Allez, je pense qu'on va un peu rater ce sprint. En même temps, on a deux personnes en moins. Oh, mais pourquoi ça sprint? Ah, mais le sprint intermédiaire! Oh, ils font le sprint intermédiaire! Et du coup, ouais, du coup, ils ont plus de barre rouge. Et du coup, on peut tenter. On peut tenter. Allez, hop, non merde, hop, hop. Tout le monde attaque, allez. Tout le monde sprint. Malheureusement, on s'est fait bloquer par tout le monde. C'est. Ah, mais merde, putain. Mais j'ai fait sprinter. Bah ouais, j'ai fait sprinter, ça a bugué. Du coup, c'est Calabé One qui s'impose là, dorénavant, cette étape de. Fou. Bon, allez, maintenant, de linge, tu emmènes tranquillement Arnaud Démare à l'arrivée. Je pensais vraiment qu'il allait abandonner. Et là, Alexander Christophe, là, qui aurait tout tenté aussi. Je pensais vraiment qu'il aurait abandonné, mais il n'a pas abandonné quand même. C'est dommage, hein, c'est dommage. Hop, on enlève le vent. Et voilà, fin de l'étape numéro 2 de ce Paris-Nice. On va voir directement les podiums parce que, bon, voilà. Hein, Caleb Ewan s'impose devant Elia Viviani, Danny Van Poppel, Garen Thomas et Fernando Gaviria. D'accord. Et Elia Viviani, et du coup, le nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice. Nous, on a complètement disparu du top 10 avec la Groupama FDJ, c'est dommage.
Nyctépère sera toujours maillot à pois. Ouais, Elia Viviani, maillot vert, Caleb Ewan, maillot blanc. On a tout perdu sur cette deuxième étape, mais on va se refaire, les amis, on va se refaire. Ne vous inquiétez pas, on va se refaire. Et les amis, on se retrouve pour les derniers kilomètres de cette troisième étape, bien sûr, entre bah, tu sais quoi, j'ai pas dit, depuis le début, je l'ai pas dit, entre Nice et Copoi, et ce poids. Donc voilà, les amis, on va faire le train, parce que là, les amis, on veut prendre notre revanche. Hein. On veut prendre notre revanche, bien sûr, sur bah, ce qui s'est passé hier. Alors, Anthony Rounon, de l'âge, tu le suis, Brunel aussi, Madouas, tu le suis, Anthony Rousse, tu le suis, Arnaud Démare, tu le suis, et Thibaut Minot, tu le suis. Allez hop, le train de la Groupama FDJ est formé, il faut juste qu'il se démarque des autres joueurs là, hop, allez, poussez-vous de là, voilà, Zdenek Stibar, casse-toi de là, et là, on veut gagner cette étape aujourd'hui, les amis, à part s'il y a une chute, mais voilà quoi, on veut la gagner cette étape, c'est un objectif. C'est un objectif, il faut le gagner cet objectif. Voilà. Déjà qu'on en a gagné une, c'était très bien. On veut prendre notre revanche sur ce qui s'est passé hier, d'accord? Il y a un coureur de la URE qui. Jasper Philipson là, qui casse les couilles. Allez, hop. Tac, tac, tac. Hop là, voilà, on est pas mal. On est pas mal, allez. Tac, 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 tac. De l'âge, tu suis, tu fais ce que tu veux, tu roules. Thibaut Pinot est bloqué par tout ce qui est avec Dener Sibatich, Jasper Philipsen là, dégagez de là. Vraiment. Allez hop, il reste 10 km. On fait rentrer Brunel dans la piste. C'est quoi Garnier si tu peux aussi? Là, il rentre. Hop, Brunel. Attends, hop. C'est quoi? Brunel, tu vas suivre. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. On est pas mal là. Garnier qui a repris un peu de force. On va mettre Brunel ici. Hop. Il reste plus que Valentin Madouas. Donc, ouais, on va essayer de rester à 99 là et plus de sprinter. Garnier, tu fais ce que tu veux. De l'âge. De l'âge, j'ai fait quoi? Ah oui, de l'âge. De l'âge, fais ce que tu veux. Brunel, tu emmènes le peloton. C'est un faux plat descendant pour l'instant là. Enfin, c'est une route très très plate. Mais il y a un petit faux plat montant dans les derniers kilomètres. Donc, ça peut être propice à des petits punchers, des sprinters, mais qui aiment bien le puncher aussi. Des sortes de peut-être Peter Sagan, hein. Mais bon, il est pas là, ça tombe bien. Allez, 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 allez. Valentin Madouas, maintenant tu roules, tu prends ton gel. Garnery, hop. Et allez, Valentin Madouas qui emmène le peloton. Il reste 3 km, les amis, 3 km. On va bientôt faire lancer Valentin Madouas. Tu lances Valentin Madouas. On fait lancer Anthony Roux. Et là maintenant, on fait lancer Anthony Roux. On lance Arnaud Démare. Allez, il reste 1 km carte. Arnaud Démare qui lance. J'ai peut-être le fait lancer un peu trop tôt. Arnaud Démare. Attention, il est devant. Hein, malheureusement, Arnaud Démare ne gagnera pas. C'est Fernando Gaviria qui va peut-être s'imposer entre Fernando. Ouais. Fernando Gaviria, j'ai lancé un peu trop tôt, malheureusement. J'ai lancé un peu trop tôt mes trois coureurs qui pourraient faire le sprint. Et bon, voilà, j'ai tenté. J'y suis pas arrivé. Malheureusement, on finit que 8e. Mais bon, c'est quand même une bonne place à top 10. Et voilà, on va tout de suite aller vers la fin de ce. Oula, oui, il y a beaucoup de retardataires, il y a une chute et il y a des favoris à ce qui paraît. Faites voir. Philippe Gilbert. Nicolo Bonifazio. Ouais. Je sais pas s'il disait que c'était un favori aujourd'hui, je sais pas. J'ai pas vu. En tout cas, il y a eu une chute, j'ai l'impression. Il y a eu un gros groupe là. Bref, on va tout de suite se retrouver pour les podiums. Allez. Hop, 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 hop. Les replays, on s'en fout. Et voilà. Fernando Gaviria qui s'impose devant Elia Viviani et Danny Van Poppel, le coureur de la Lotto Jumbo. Caleb Ewan et John Degenkolb finissent le top 5. Et nous, avec Thibaut, on fait 7 et 8. Voilà, on est bien placé, mais bon, voilà, on aurait pu faire mieux. Et là, c'est Elia Viviani qui garde son maillot de leader du classement général. Nyck Teperstra, lui, est toujours maillot à petit pois rouge. Elia Viviani est maillot vert. Et Caleb Ewan finit avec le maillot blanc et la meilleure équipe. Et là. Katusha Alpecin, bien sûr, une équipe de la Katusha qui s'est fait supprimer. Eh oui, difficulté financière, je crois. Je vais pas trop m'approcher sur ce sujet parce que je comprends pas trop. Bref, on va tout de suite se retrouver pour la dernière étape de cette vidéo. Et cette étape, elle est vallonnée. Donc, voilà. On est chaud. On peut le faire, on peut le faire. On peut aller prendre un petit maillot. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on se retrouve pour la dernière étape de cette vidéo. Et l'étape 4 de ce Paris-Nice. Entre Nice et Vichy. Donc voilà, on va tout de suite se demander à se placer à tout le monde ici. Et puis on va tenter de mettre quelqu'un dans l'échappée quand même. On va tenter de
Est-ce que Valentin Madouas est bien placé? S'il pourrait aller dans l'échappée, ce serait parfait. Allez, il faut que tu suives l'échappée, mon grand. Allez, Valentin. Est-ce qu'on va pouvoir se laisser sortir? Allez, on tente une attaque là. Est-ce que ça nous laisse sortir? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ça nous laisse pas du tout sortir. Ouais. Malheureusement, ça nous laisse pas du tout sortir. Bon, c'est pas grave. On y allait un peu trop tard. Est-ce qu'on peut surprendre? Ah non, on peut plus. Merde, j'ai plus de barre rouge. Bon, allez. Tu vas te placer ici. Tu vas les attendre. Attends. Attendez, Valentin. Et puis voilà, vous allez tous vous placer bien, 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 bien en haut dans le peloton pour, bien sûr, avec Thibaut Pinot, faire des choses qu'on aimerait qu'il soit maillot jaune. Donc voilà, il a un petit plus 1, ce qui lui met un petit 78 vallon et un petit 84 montagne. Donc voilà, aujourd'hui, je vous le dis, on va attaquer avec Thibaut Pinot si on peut. Il y a déjà une chute, chute du maillot jaune, chute de Julien Alaphilippe. Ils se sont. Garen Thomas, il y a beaucoup de favoris qui sont tombés là. Et enfin, il y a beaucoup, il y en a juste 3. Mais ouais. Là, par contre, j'aurais bien aimé qu'ils se réveillent pas, qu'ils se lèvent pas. Et là, du coup, c'est toute la. Ouais, et là, du coup, c'est toute la Dokkenin qui est là, Ineos, là, qui se décélère pour aller chercher leur coureur, les remettre dans le peloton. Ah oui, de toute façon, ils ont pas trop perdu de temps. Là, le but, on est en début d'étape, le but c'était de, bien sûr, ne pas abandonner, de bien se rattraper. Et là. Ok, donc voilà, le peloton commence à rouler très fort là. La CCC commence à s'énerver là, j'ai l'impression. On va se mettre en feu 8 et puis on va attendre la fin de cette étape. Allez. Les amis, on se retrouve à 30 km de l'arrivée. Et là, ça roule à fond, hein, ça roule à fond avec Thibaut Pinot. On est très très bien placé dans la roue de Garnery. Et malheureusement, c'est difficile pour Arnaud Démare parce que Arnaud Démare n'est pas du tout un grimpeur. On peut le constater sur tout ce qu'il a fait quoi, sur ses prestations en montagne. Sinon, l'échappée devant, ils sont à combien de temps? Nick Terpstra, deuxième au général, quoi? Attendez là, faudrait rouler, non? Faudrait peut-être rouler. Ok, vous savez quoi? On va essayer de demander. On va rouler avec la groupe AMFDJ. On va rouler. Tac. Brunel, non. Je sais pas si on va mettre Brunel. Hein. Non, on va pas mettre Brunel. Brunel, tu fais ce que tu veux. Tac. Garnery qui est bien placé. On va lui demander de bien rouler. Hop. Valentin Madouas, tu le suis. Ah non, pas Anthony Roux. Non, Delage, voilà. Pas Anthony Roux quand même. Hop, Thibaut Pinot, tu le suis. Et Brunel, tu vas protéger Arnaud Démare. Allez, Delage, c'est à toi de jouer maintenant. Allez, il faut rattraper cette échappée là. Parce que là, ils sont à fond devant là. Il y a Nick Terpstra, il a 2 secondes au général. Donc il faut pas qu'on perde notre. Il faut pas qu'il prenne trop d'avance. Bon, après, c'est pas un grimpeur, il va le perdre dans les grosses montagnes. Mais voilà quoi, c'est Nick Terpstra, on connaît. Allez, on roule. C'est la Matej Mohoric là qui roule aussi là. Le coureur, regardez tout. Il y a tout qui est vert avec lui. Allez, on va tenter de rouler pour rattraper cet échappé. Et là, on a créé déjà un petit groupe, je crois. Non? Ouais, un petit groupe. Un petit groupe. Hop, Garnery, tu sors. Tu roules. Ah, et attendez, il y a un favori qui a été lâché là. C'est David Formolo, le. Oh, Tom Dumoulin! Tom Dumoulin a été lâché avec David Formolo. Ah là là, David Formolo n'est pas du tout bien. Et Tom Dumoulin, j'ai l'impression, il s'est fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a fait une. Il a perdu beaucoup de temps. Allez, ça ne roule plus trop là. Il va falloir tenter quelque chose avec la Groupama là. Voilà, on sait que Valentin Madouas a des grosses compétences pendant le vallon là. Il a 77 de vallon parce qu'il a un plus 1. Donc là, les amis, c'est à nous de jouer là. Allez, personne ne veut rouler. On doit rouler, on doit rattraper cette échappée. On doit créer du mouvement dans ce groupe du groupe de favoris. Elia Viviani est passée, elle a passé toutes les bosses pourtant. Franchement, il est bien. Arnaud Démare aussi a passé toutes les bosses. Hein. Arnaud Démare aussi, pour l'instant. Il a eu du mal, mais il est passé. Allez, Valentin Madouas. Il donne tout. On va attaquer bientôt la descente. Ça va nous permettre de récupérer. Et là, regardez, on a pris déjà. On a récupéré quand même deux. Ah, ils sont en défaillance en face. Ouais, ils ont trop donné. Donc je pense que là, l'échappée va être rattrapée bientôt. Ouais, en face, ils sont en défaillance. Est-ce que si je lui demande de faire. De ce. Ouais. Je pense qu'en fait, il faudrait juste. Maintenant, on a fait notre travail. On a fait. Maintenant, il faudrait juste bien se placer. On va bien se placer ici. Arnaud Démare, tu vas bien placer ici. Voilà. Hop. Et Garnery, tu vas protéger Thibaut Pinot. Voilà. Allez, Thibaut Pinot, bien placé dans les roues des favoris de cette étape. Il reste 15 km de l'arrivée. On est à 15 km. Allez, Thibaut Pinot est en pleine forme là. C'est son premier Paris-Nice.
En vrai, comme en IRL, hein, bien sûr, en IRL, il va faire sa première édition du Paris-Nice en 2020. En espérant qu'il la gagne cette édition. Ce petit malchanceux, hein, le malchanceux de la France. Allez, vous savez quoi, Valentin Madouas? Valentin Madouas, on va tenter un coup à deux. Hop, on va tenter un coup à deux. Valentin Madouas, tu vas y aller. Et moi, je vais te suivre. Parce que là, c'est Matej Moric là, qui attaque, j'ai l'impression. Et là, nous, on en place une avec la Groupama FDJ. Ah, ça nous rappelle un peu un Tour de France là, avec David Godu qui attaquait pour Thibaut Pinot. Mais là, c'est Valentin Madouas qui a attaqué là. Allez, Valentin Madouas, tu donnes tout pour ton leader. Et là, on a créé un petit trou là. On a créé un petit trou. S'il pourrait un petit peu. Ouais, voilà, on a créé un petit trou, les amis. On a créé un trou. On a mis 10 secondes là. C'est Mikel Landa et Julien Alaphilippe qui nous a suivis là. Et attention, attention. Ouais, je pense qu'on va se faire attraper. Et là, c'est l'attaque. Oh, attention, ouais. Attaque de Julien Alaphilippe. Attaque de Julien Alaphilippe. On va attaquer avec Thibaut Pinot. On va attaquer avec Thibaut Pinot, le grand favori de cette étape. Il va falloir qu'on. Oula! Ouais, je pensais qu'il était en défaillance, mais pas du tout. Allez. Maintenant, faut qu'on aille. Faut qu'on le rattrape. Faut qu'on rattrape Julien Alaphilippe, bien sûr. Ah là 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 là. C'est chaud, les amis. C'est chaud. Valentin Madouas qui a fait un très bon boulot pour Thibaut Pinot. Hop, 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 hop. Vous allez faire tout ce que vous voulez, vous. Tac, tac, tac. Pour pas arriver hors délai, mais je pense qu'ils vont pas trop arriver hors délai. Et là derrière, c'est Thibaut Pinot. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. Faut rattraper ce Julien Alaphilippe là. Et là, c'est Garen Thomas qui nous a rattrapé. Je pense qu'on peut en donner parce que après, il y a un petit faux plat descendant. On va suivre Garen Thomas. On va un petit peu récupérer quand même. Ah non, il veut plus rouler. D'accord, ça ne roule plus. Ça se regarde. Et ben moi, je vais rouler moi avec Thibaut Pinot. Parce que là, ne faut pas laisser Julien Alaphilippe. Il a 12 secondes au général. Il est en même temps que nous. Est-ce qu'on si on suit. Voilà, ah, ok, Garen Thomas. Ça ne roule plus! Putain, mais Garen Thomas! Garen Thomas, il veut nous. Il se regarde avec nous, c'est abusé. Allez, on va suivre Primož Roglič. Ouais, bah ouais, ça ne vaut plus rouler. Je sais pas ce que c'est ce bug. Oula, c'est quoi? Vas-y, on va rouler à fond, nous. On va un petit peu amener le peloton, mais il faut qu'on rattrape ce jeu-là, Alaphilippe. Il faut qu'on le rattrape. On a récupéré un peu de rouge. Et là, j'ai l'impression que ça va mal derrière. Ça va mal. Allez, on faut bien attendre. Avec Thibaut Pinot. Et là, on peut lancer notre sprint avec Thibaut Pinot. Allez, faut qu'on rattrape Julien Alaphilippe. On rattrape. Elia Viviani est là. Elia Viviani, le sprinter, est toujours là. Oh, il a fait une sortie, je sais pas comment. Et nous, on va finir sixième avec Thibaut Pinot. Belle place de Thibaut Pinot. Il n'était pas du tout favori. En tout cas, là, les amis, on n'a peut-être pas gagné l'étape, mais on a créé de gros. Regardez, Egan Bernal. On a créé de gros écarts avec la Groupama FDJ. Je suis très content de cette performance. Il y a beaucoup de favoris qui ont lâché. Ils ne pensaient pas être autant attaqués aujourd'hui. Mais avec Thibaut Pinot, on a attaqué, on a tenté. Donc le but, voilà, le but c'est d'attaquer, de tenter. On n'y est pas arrivé malheureusement. Mais bon, on a quand même été bon. Et c'est juste que Elia Viviani est sorti de nulle part. Et Garen Thomas, ce petit connard là. Ah ouais, à chaque fois je me mettais derrière lui. Ah non, moi je vais plus rouler. Là, là, là. Bref, on se retrouve tout de suite pour les podiums de cette étape. Allez, les podiums de cette dernière étape de cette vidéo. Elia Viviani s'impose devant Garen Thomas et Primož Roglič. Et Rigoberto Urán et Julien Alaphilippe complètent le top 5. Elia Viviani toujours maillot jaune hein, après la quatrième étape. Mais bon, là on va attaquer la montagne donc ça va être difficile pour lui. Garen Thomas et Primož Roglič complètent le podium. Avec Thibaut Pinot, nous on est 5e à 18 secondes donc pour l'instant on est très bien avec Nyck Kuipers-Troek qui lui est en train de faire un Paris-Nice énorme. Elia Viviani qui est maillot blanc Nicolas Alfredo Lopez. Ok, meilleure équipe la Sunweb. Pourtant la Sunweb, je sais pas comment elle serait meilleure équipe, on l'a pas trop vu. Hein. On l'a pas trop vu cette étape-là parce que Tom Dumoulin a été en défaillance beaucoup de fois, j'ai l'impression, enfin défaillance. Il a été lâché pas mal de fois. Alors, tac 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 tac. Bon, voilà, les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et la partager si vous êtes resté jusqu'ici. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver à chaque fois. Donc voilà. En tout cas, moi les gars, je vous dis ciao ciao!